Eh bien, salut à tous, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Réception et déballage d'une petite tablette PC sous Android. Donc petite boîte bien sympathique. Voilà l'engin. Donc l'engin qui ressemble à un petit iPad. Hein. Bon, voilà, un peu plus petit, 7 pouces. Voilà, petit bouton central. Ici, on trouve l'alimentation. Dommage, on aurait préféré un petit chargeur USB. Bon, là, c'est un petit chargeur. Une petite connectique. Bon, on voit pas très bien avec l'appareil photo. Ici, on a un câble 3 pouces, 3,5 mm pour l'audio. Un mini USB. Brancher, éteindre la tablette. Un mini USB. Un lecteur transflash. Et un micro. Ça, c'est pas mal. Tout est repris ici. Bon, on voit pas trop bien les pictogrammes, mais tout est repris ici. La petite fente pour accéder, pour laisser le haut-parleur s'exprimer. Ensuite, la boîte. Bon, petite boîte à la chinoise. Dedans, on trouve un câble USB avec mini USB. Un casque. Bon, petit casque, hein, basique. Et un câble mini USB avec USB femelle. Voilà. On a un câble aussi d'alimentation, forcément, que j'ai branché sur la prise pour la charge. Chargeons. Appareil chargé un petit peu. Allumage de l'engin. J'ai oublié, on a un bouton ici aussi. Pour ceux qui se demanderont comment on fait pour aller au home et pour revenir en arrière, et ben ce bouton a deux usages, à droite, arrière. À gauche, home. Voilà. Aucun service, forcément, il n'y a pas de carte SIM là-dessus. Ça s'éteint assez rapidement, j'ai pas encore, je viens de la recevoir, donc j'ai pas encore tout paramétré. On va passer par le home. Et ouais, ça s'éteint trop rapidement. Allez, pépère. Bah ouais, forcément. Voilà. On est sur du Android 1.5. Bon, ça défile, il y a que 3 bureaux. Espérons que la mise à jour ne traîne pas trop. On verra bien ce que ça donne. Hein. Bon, après, il y aura peut-être des bidouilleurs. Est-ce qu'on arrivera à bidouiller une autre ROM? On verra bien ça. Pour l'instant, on découvre. Et ben, il y a deux, trois petites applications. Il y a le Market, il y a Facebook, il y a Gmail, il y a un compteur de données, les paramètres, un PDF reader aussi, un lecteur vidéo. Skype en bêta, la météo, YouTube, UQ aussi, UQ à la chinoise. Voilà, Google Maps, Google Talk, tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut. Voilà, après, bon, bah, c'est exactement comme nos petites applications, nos petits Android dans téléphone. Ça reste la même chose. Après, bon, on a accès. Alors, pour ceux qui sont un peu en train de regarder, version du noyau Rockchip version 1.27, version du micro-logiciel bah, 1.5. Hein. Après, peut-être qu'il y aura peut-être des choses à bidouiller là-dedans, hein, mais bon, c'est pas mes compétences. Batterie, adresse MAC Wi-Fi, ce n'est que Wi-Fi, il n'y a pas de 3G là-dessus encore. Mais bon, vu le prix, c'est quand même assez intéressant. USB mode, host mode, ça va être pas mal. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore connecté au PC. On va tester ça en live. Le petit câble qui va bien sur le petit USB. Attendez, je bricole. Tac. Un petit on the Mac. What ça donne? Bien, il ne se passe rien. Pour l'instant, ça donne rien. Carte SD manquante, tout à fait, je n'en ai pas mis encore. Bon, on va regarder ça. Ça, c'était un petit déballage. Je vous présenterai un petit test quand j'aurai un peu plus évolué là-dessus. Bon, à plus.